Bon, les amis, j'ai décidé de faire une petite vidéo, mais très petite, tu vois. Tu vois le délire ou pas? Ça, ce jeu-là, tu vois, j'y joue. Je te cache pas, j'y joue. Je te le cache pas. J'y joue clairement, là, tu vois. J'y joue. Voilà, je te dis clairement, j'y joue. Depuis le début de la tuto, te dis, mais c'est fou, mais si tu fais quoi? Tu vois ça? Bon les amis, aujourd'hui on va se retrouver. Putain. Si. On va se retrouver sur ce jeu, tu vois. Sur ce jeu. Alors, déjà de 1. On va se retrouver sur la campagne de ce jeu. Pas le nom du jeu, parce que le nom du jeu, c'est bon. Mais là j'y joue, hein. Pour l'instant, voilà. Je fais ce qu'il y a à faire dessus, tu vois, alors. On fait ce qu'il y a à faire. Oh, la petite manette, on va prendre un petit jeu. Hein. On va prendre ce joli petit gars qui est même pas un homme. Je sais même pas si c'est un homme. Je sais pas, mais en tout cas. Donc, les amis, let's go, les amis. On va aller découvrir tout de suite cette petite campagne. Franchement, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas encore commencé la campagne. J'y joue que multijoueur et aux zombies. Et encore, les zombies, j'ai juste fait une partie pour voir ce que ça donnait. Donc je pense que... on va peut-être y aller, c'est parti, let's go les amis. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up, same stuff, never changed up. Taking shots, get your aim up, wanna play, get your game up. C'est parti les amis, le soleil, la lune, les étoiles, ces astres ont disparu il y a bien longtemps. C'est cool. S'ils avaient été à portée des mains, peut-être triste de l'homme. Ok. Donc, les amis, on est sur... Nos besoins ont épuisé les ressources de notre planète. On est sur une filière phare, enfin. Au-delà de notre atmosphère. Oui, donc là, vous êtes pris pour Star Wars, carrément. Là. Cette nouvelle frontière constituait la promesse d'un nouveau départ. Mais l'isolement de l'espace a fait naître un mouvement. Alors, franchement, je vais tenir avec vous. Avec notre monde. Les graphismes sont beaux, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. On peut pas dire le contraire. Nouvelle règle, nouvelle ambition, un nouvel ennemi. Le front de défense des colonies a bâti une armée et s'est opposé à la Terre dans le sang et la violence. Ouais, ça on se croirait vraiment dans Star Wars, les gens. Ils veulent le pouvoir absolu. Ils pillent les colonies, volent leurs ressources et contrôlent les territoires par la force. Leur flotte bloque l'accès à des matériaux de première nécessité. Leur mission est d'éradiquer tout ce qui provient de la Terre. Aujourd'hui, le 7F est une machine de guerre, dirigée par son armée. S'ils avaient un leader pour les unir, alors ils viendraient pour conquérir notre planète. Wow, les gars, comment ça part trop sur Star Wars? Et je vous jure, j'ai jamais vu ça. On dirait Star Wars. Par contre, je suis désolé, les gars, mais franchement, graphiquement, le jeu est beau. Il est très beau pour l'instant. Moi, personnellement, mon putain de point de vue, toi. Putain de point de vue, il est beau, le jeu. Il est beau. Entendu, Warlord. On s'en occupe. Une minute. Attendez. Tactique inversée. Le site est abandonné. On récupère notre arme et on brûle les installations. On brûle tout. On brûle tout. On est des pyromanes de la night. Donc c'est parti, les amis. On va faire un saut parachute. Allez, 1, 2, 3. On y va. C'est pas. Ouh, les gars, on se prendra dans Black Ops 2 quand on descend. Ah, ils ont copié Black Ops 2. Oh, franchement, les graphismes, comme ils sont trop beaux. Hein? Quoi? Je suis mort, Pélo? Je suis mort. On est prêt. Oh le con! De moins voilà, 150 les amis. Degrés, faut pas traîner. On y est. La température est donc de moins place. 150 degrés. Alors franchement, c'est trop bizarre. Reçu, en route. Comment c'est zarbi ce jeu?
On a buté quelqu'un de manière assez barbare. Donc ça au moins ça y est encore. Tu vois, ils ont gardé les petits trucs encore de l'époque. Ah voilà, c'est bon comme ça. C'est bon, c'est moi qui l'ai tué, bâtard. Oh, il y a du monde. Voilà, on les a tous piqués, c'est nous les patrons. Franchement, pour l'instant, graphiquement, le jeu est beau. Y'a rien à dire. Franchement, les gars, ça va. Mais c'est vraiment trop pas du tout Call of Duty, quoi. C'est pas du tout Call of Duty, je suis désolé. Je suis désolé, Pélo. Le jeu, pour l'instant, c'est bien, tu vois, c'est l'histoire, c'est la campagne, c'est du pur, c'est purement Call of Duty, ça, c'est clair et net. Je suis désolé. C'est pas Call of Duty. Moi, je suis le thug, moi, je suis rentré en plein tas. Rien à droite, rien à gauche, ok, on se disperse. Alors là, pour l'instant, je sais pas ce qui se passe. Ce jeu est bizarre. Pour l'instant, les graphismes sont beaux. Je sais pas ce qui se passe. On va voir. Oh. Oh oui, attendez, je vais faire un peu de canon. Ouf, oh non, lui il a pas vu ça. Comme par hasard, il s'accroche. Par contre, il s'est pris son collègue en pleine face, tu vois. Pleine face. Qu'est-ce qui sonne, mon réveil? Oh putain, on est dans le froid. Moins 270. On a besoin d'aide. Oh les bâtards. Je sais pas, frère. Mes hommes, ils ont besoin de soins. Vous vous inquiétez pour vos hommes. C'est rare dans les Call of Duty que notre personnage parle. Putain, quel bâtard. Oh. C'est quoi, Ria? La caméra ne transmet plus. Bon, ma conviction, petite cinématique, elle a déjà commencé, hein. Et que nous devons, on s'est fait défoncer, littéralement. Pas de pitié. Alors franchement, graphiquement, il est beau, hein. En tout cas, rien à dire. Hein. C'est des politiques, Reyes.
Il se torcherait avec n'importe quel drapeau pour faire tourner la machine. Alors là, franchement, les gars, je suis désolé. On peut dire de Battlefield qu'il est beau, graphiquement, il est mais... Ok, je suis d'accord. Mais là, je suis désolé. Avant la guerre, il y a quand même une belle claque graphique. Voilà. Mais donc, arrêtez de critiquer Call of. La moindre hésitation. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Répéter en cours de pilotage. Trouver et régler le problème. Vous avez toujours appris vite. Le commandement stratégique a conscience de la grogne. Pour l'instant, il est hors de question de recourir à la force sur le terrain. Ce sont les lois de la guerre. Merci pour le briefing, monsieur. Bah, de rien, frère. Amiral Reins, E3N est en position sur le toit. Wow. Très bien, merci. C'est quoi, E3N ? Allez voir par vous-même. Vous n'allez pas en revenir. En paix. Alors, franchement, les gars, graphiquement, il est beau, mais... C'est... Voilà, Call of Duty, c'est... ça reste bizarre. 4. Ils sont morts. Sur Europe ? Le front était là. Europe. Ils ont appelé la planète Europe, quoi. Ah, c'est énorme. Ce défilé de vaisseaux est ridicule. On devrait être dans nos jackals à monter la garde. L'amiral est du même avis. Alder le sait. Négatif. Aujourd'hui, le RET ne fait pas la guerre. Il fait un défilé. Toute la flotte est à Genève. Ça me paraît dingue. Putain, franchement, graphiquement, il est beau, le jeu. Hein. Bon, manquons pas la fête. Mais je vous en prie, lieutenant. Ouais, moi aussi, je t'en prie, ouais, je cochon. On va prendre le chemin des écoliers, les amis. Le chemin des écoliers. Alors, je sais même pas où on va. Oh, on verra bien. Franchement, on verra bien. Donc, on est en route pour le... Mais à tous nos morts. Oh. Ah ouais, il y a du monde quand même. Hein. Attends, c'était où ça? Ouais, moi, je vais en break. Ouais, moi, je suis pressé. On va aller voir les écoliers. Bienvenue à la parade. Wow, mais c'est quoi cet engin de fou furieux? Voilà, Bella. Mais c'est une grande blague, ce truc. Mais c'est une grande blague. Mais c'est... What the fuck? C'est une grande blague. Bref, les amis, alors elle est où? Non, c'est pas elle. Hein. Voilà. Bref. La rétribution. Ah, elle est là. Pas fâché de passer bah, qu'une journée ouais. À terre. Je préfère le noir de l'espace sauvage. Pas la seule. Moi personnellement, tu vois, je préfère voir le jour comme ça. Tu vois, je préfère ici que là-haut. Tu vois, là-haut c'est nul. On va se rendre à la cérémonie avec nous. Elle est où l'autre conne? Elle m'attend. Ah là là. What? Mais what? Mais regardez-moi ça. Mais ça fait bader. On se croirait vraiment dans... Ou alors dans... Comment? Comment il s'appelle ce jeu? Killzone, voilà. On se croirait dans Killzone. C'est en train de faire un remake de Killzone. Tu vois ça, c'est un remake de Killzone. On a les mains liées. Prenez du repos aujourd'hui, Reyes. C'est un ordre. T'as pas à me donner d'ordre. On a le même grade. Ça, c'est bien joué. Ouais, prends pas trop de grade, petite pute. Hein. What the fuck? Oh, la cinématique, elle est magnifique. Beaucoup de trafic allié. Franchement, elle est belle. Tu connais les systèmes d'interception, Ethan? Putain, et franchement, c'est pas Call of, mais les graphismes sont extrêmement beaux. Reçu 6, accès permis. Putain. Monsieur l'amiral, qu'est-ce qu'il y a, Ethan? Les canons Atis. Ils semblent braquer sur notre flotte. Attention! Mais what? Ils sont retournés contre nous. Mais franchement, graphiquement, il est beau. Oh, ce bordel. On se croirait dans l'américaine. What the fuck? On se croirait dans Captain America Soldat d'hiver. Mais c'est quoi ça? Oui, j'ai changé au cas où. Hein. Au cas où, hein, j'ai changé. Je me suis pris mon petit pige. Okay.
Mais c'est quoi, c'est pas Call of ça, mais... c'est pas Call of Duty. Mais c'est pas Call of... Bon les gars, sur ce, je crois qu'on va se laisser sur ce bordel. Ils tirent sur les civils, c'est pas ça en plus. Bref les gars, on va se laisser sur ça, ouais. Et voilà les amis, cette petite vidéo sur, enfin petite façon de parler, tu vois, petite, et c'est vraiment une façon de parler, tu vois, histoire de dire petite vidéo, histoire de dire, En tout cas, donc, je vais te laisser sur ce petit mot de la fin, qui est que ce jeu est vraiment, 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 oh, putain, bordel, on y arrive, allez. Donc je disais donc que ce jeu est vraiment... pourri bien. Il est à la fois pourri, trop Star Wars peut-être, et à la fois bien graphiquement et niveau peut-être du gameplay, mais non même. Pour moi, franchement, le seul point positif du jeu, c'est le graphisme du jeu. Bref, si on regarde, c'est un problème. Les petits cocos. Dis au revoir, hein. Bientôt pour une prochaine vidéo, surtout oublie pas de mettre un gros pouce bleu, tu vois, comme celui-là. Un gros pouce bleu, hein. Et bah, dis bonjour à la caméra. Tu mets un gros pouce bleu comme lui, autrement lui, il vient ton cul, il vient te mettre des baffes avec sa queue, tu vois. Tu vois. Ta télé. Non, c'est lourd ce cocon, hein. Bref, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi à me dire si tu veux, faut que je refasse des vidéos comme ça, on me voit un peu plus souvent. Enfin, c'est pas des facecam, mais presque. De toute façon, les facecam, je vais essayer d'en faire, mais pour l'instant, je peux pas. Je verrai quand je pourrai en faire. De toute façon, je sais pas ce qu'il faut pour l'instant. Comme... bref, en tout cas, poto, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et, et surtout, Pélo, reste couvert. À bientôt. Ciao, let's go. Après tu fais mal, ah mais tu griffes là. Ouais. Hop là, et voilà. Allez, bon. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.